C'est peut-être le dernier roi des Francs, comme le dit l'un de ses plus fidèles compagnons. Un monument de l'histoire de France, sans aucun doute. C'est en tout cas l'homme politique français le plus acclamé de son vivant, Charles de Gaulle. C'est ici, depuis les jardins de la Boisserie à Colombelles et deux églises dans la Haute-Marne, que je suis heureux de vous présenter le destin hors norme d'un géant. On connaît le fameux appel du 18 juin 1940, où il harangue les Français à ne pas accepter la défaite. Il relève le gant d'une France humiliée pour faire basculer 4 ans plus tard son destin dans le camp des vainqueurs. On croit tout connaître de lui, ses coups d'éclat légendaires, son humour parfois féroce. Et pourtant, Charles de Gaulle est un homme secret qui entretient une relation fusionnelle avec celle qu'il aime plus que tout au monde, la France. Dans l'ombre du grand homme, son épouse Yvonne, que les Français surnomment affectueusement Tante Yvonne. Une femme au caractère tout aussi déterminé, sans qui Charles de Gaulle ne serait jamais devenu le général de Gaulle. Plus que nul autre chef d'État français, Charles de Gaulle aura marqué son siècle d'une empreinte indélébile. L'histoire de Gaulle, c'est l'histoire de ses rencontres avec le peuple de France. C'est un homme qui se confond lui-même avec la France. Il est le premier à utiliser sans partage les médias pour bouleverser l'ordre des événements. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? Pour lui, parler, c'était agir. Les gens se battaient pour aller à la conférence de presse du général de Gaulle. Premier président de la Ve République, il règne sur la France depuis le palais de l'Élysée tel un souverain. On connaît l'homme public, moins l'homme privé, profondément épris de sa femme Yvonne. Elle avait une sorte d'influence apaisante sur lui. Je l'aurais dit, le général part en enfer, elle aurait pris son petit sac, elle aurait suivi. Nous vous ferons découvrir également la carrière de ce militaire rebelle, héros de la guerre de 14-18, et sa relation presque filiale avec celui qui deviendra son pire ennemi, le maréchal Pétain. Pétain repère chez de Gaulle un élément très très doué. Il n'en fait que des compliments, et il le pousse et il va l'aider. Nous vous conduirons au Grand Trianon, en plein cœur du domaine de Versailles, pour vous faire visiter le bureau et les appartements que le général de Gaulle s'est fait aménager. Le général se sent bien à Versailles, sans doute mieux qu'à l'Élysée. Arrogant, passionné, de Gaulle vit la France comme si elle se confondait avec son propre destin. Il a une obsession, l'indépendance du pays, y compris vis-à-vis de ses alliés. C'était pratiquement la devise du général de Gaulle. Un homme peut avoir des amis, une nation, jamais. Excessif, sans doute, il lègue à la postérité un costume qu'il s'est taillé sur mesure, au prix parfois de quelques arrangements avec l'histoire. Cette harmonie familiale m'est précieuse. J'y retrouve ma sérénité. C'est par ces mots que le général de Gaulle définit sa chère Boisserie. Le 6 juin 1934, alors qu'il n'est encore que colonel, de Gaulle achète cette demeure à Alice Bombal. C'est peut-être la seule bonne affaire financière que le couple de Gaulle a réalisée de toute sa vie.
Charles et Yvonne n'ont pas les moyens de payer les 50 000 francs de la vente. Alice Bombal accepte donc de céder sa propriété en viager. La vieille dame meurt 2 ans plus tard. Le couple est donc propriétaire à moindre frais. C'est ici, dans le calme et la sobriété de cet intérieur, de ce mobilier dépouillé, mais aussi des cadeaux de chefs d'État africains, que Charles et Yvonne aiment se retrouver en famille, loin des turpitudes de l'histoire. Mais surtout, le général déteste être dérangé quand il séjourne à la boisserie. Venez voir, j'aimerais vous montrer ce qu'il y a de caché dans ce cagibi sous l'escalier. C'est là que le téléphone est installé, loin de son bureau, parce qu'il aime répéter « on ne sonne pas, le général de Gaulle ». Mots d'esprit, répliques qui font mouche, pics d'humour corrosive, le général de Gaulle est un bretteur, parfois féroce. Plus que nul autre chef d'État au monde, il marquera l'histoire de ses coups d'éclat permanents. Rebelle, insoumis, sarcastique, le général de Gaulle est le premier homme politique français à faire de la communication une arme de persuasion massive pour changer le cours de l'histoire. Française, Français, aidez-moi! Les conférences de presse qu'il fait sont des événements médiatiques. Rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Il avait un humour incroyable. Et puis un sens de la formule, quand même. Il avait une élocution fabuleuse. Il ne faisait jamais, jamais, jamais de faute de français. Il s'est toujours servi de ses interventions à la radio, puis à la télévision, comme une arme politique de première puissance. Il parlait, ça changeait les choses. Militaire visionnaire, il n'a de cesse de se révolter contre le cours des choses pour imposer ses vues. C'est un révolutionnaire parce qu'il n'est jamais immobile dans ses idées. Il ne se contente pas de ce qui est. Quand vous relisez l'appel du 18 juin, c'est un diagnostic extraordinairement précis de ce qui va se passer dans les 4 années qui suivent. La France, pour lui, c'est la France qui va aller au-delà de ce qui est imaginable. Juin 1940, la France plie sous les bombes allemandes. C'est la débâcle. Des milliers de personnes se retrouvent sur les routes. C'est une atmosphère de panique totale. Les militaires ne savent pas quoi faire, on brûle les papiers dans les ministères. Dans une ambiance de défaitisme général, il y a peu d'hommes qui sont prêts à continuer la guerre. Le général de Gaulle est un des rares pour poursuivre la guerre, mais il est sous-secrétaire d'État. Dans le gouvernement, c'est le moins important et en même temps, c'est le seul qui veut de se battre. Le combat est disproportionné. Les Allemands marchent sur Paris. Hitler triomphe, la France est écrasée. Le général de Gaulle refuse cependant la défaite, quitte à rompre avec toute sa hiérarchie. Dans ce moment si particulier, il y a toute la remise en cause, toute la... Le profond bouleversement d'une conscience d'un militaire qui, à 50 ans, se décide à rompre avec tout son passé. Face à l'événement, l'homme de caractère, loin de se cacher, de se planquer derrière des codes, des lois, il fait face et il fait front. C'est ça, le chef. Et de Gaulle est un chef. Le général de Gaulle s'envole pour Londres, pour faire entendre une autre voix que celle de la capitulation. Un homme, le premier ministre britannique Winston Churchill, va lui donner les moyens de ses ambitions. Churchill était impressionné par les statues du commandeur. Les grands bonshommes sombres, taciturnes, ça l'impressionnait. Et il s'est dit, ça c'est celui sur qui on va pouvoir compter pour continuer la lutte. Winston Churchill décide de tout miser sur cet illustre inconnu pour convaincre le monde que la France n'a pas capitulé et qu'il faut continuer le combat contre Hitler. Churchill lui ouvre alors les portes de l'histoire en lui permettant de lancer un appel sur les ondes de la BBC, la radio britannique. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France ! Libre ! Ce discours, au départ, est un discours qui sera peu entendu, mais il aura un écho, pour le coup, assez extraordinaire jusqu'à la fin de la guerre.
son intervention le 18 juin à la radio est le début de son aventure politique. Enfin. Il est né par un média et non pas par un fait d'armes. C'était, je dirais, presque la seule arme qu'il avait à sa disposition. C'était la parole. D'ailleurs, les opposants disaient « Général de Gaulle, c'est le général micro ». Le Premier ministre britannique ne s'arrête pas là. Pour le faire accepter aux yeux des Alliés comme l'incarnation légitime de la France libre, Churchill oblige de Gaulle à jouer la comédie devant les journalistes. Churchill considère que de Gaulle n'est pas assez connu et qu'il faut donc faire une espèce de campagne pour faire mieux connaître le chef de la France libre. Churchill est un génie de la publicité et donc il sculpte l'image de de Gaulle, qui est un inconnu. Il le fait connaître, il engage même un agent de publicité pour le faire connaître. Et pour ça, il conçoit de faire un reportage photographique dans un magazine anglais. Et donc, on va le photographier chez lui, dans des scènes de la vie courante, avec son épouse. On obtient quand même un reportage complètement hallucinant. On les voit dans des poses qui manquent complètement de naturel, soit dans le jardin en train de faire semblant de regarder une plantation, soit elle assise au piano et son mari la regardant jouer. Et franchement, sur les photos, de Gaulle a l'air de tellement mauvaise humeur que l'on voit que la séance lui pèse considérablement. Il trouve que la publicité, c'est vulgaire. Churchill veut me lancer comme une savonnette. Voilà, donc il n'y avait pas trop. Mais il s'y soumet à Londres parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'on lui dit que ce n'est que comme ça qu'il pourra développer son mouvement. La créature médiatique finit cependant par échapper à son créateur. De Gaulle est devenu incontournable. Il lui faut maintenant se faire connaître en France, où jusque-là, il n'est qu'une voix. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. 8 jours plus tard, après 4 années d'exil, le général de Gaulle foule à nouveau le sol de la métropole. Il prend le temps de savourer ses retrouvailles. C'est la première fois que les Français vont enfin découvrir ce général qu'ils n'avaient jamais vu que par des quelques photos passées sous le manteau. Ils vont d'abord être impressionnés par cette taille, qui effectivement domine. Il a une tronche, il a une stature, il a une drôle de tête quand même. Il n'est pas comme tout le monde. C'est une statue ambulante et il en impose. 2 mois plus tard, le peuple de Paris honore son libérateur en le laissant descendre les Champs-Élysées en tête, au centre d'une manifestation géante de soulagement et de ferveur. Toutes les caméras sont braquées sur l'homme providentiel. La France libre peut enfin mettre un visage sur une voix. Le coup d'éclat du 18 juin 1940 se transforme en triomphe. À l'hôtel de ville, le général de Gaulle ne peut alors résister. Pressé par la foule qui l'acclame, il prononce de manière improvisée l'un de ses plus fameux discours. Il est là, il y a une lumière particulière, on attend ce qu'il va dire, il y a encore une insécurité autour de lui, il y a des Allemands qui sont encore dans Paris, on peut entendre des coups de feu, il parle. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Rien que sa parole, sa stature, sa présence sécurise. Et je pense que cette parole a assis son pouvoir. De Gaulle incarne désormais une certaine France. Celle qui, loin des heures noires de la collaboration, affirme avoir chassé les Allemands de Paris. Qui d'autre pourrait alors prétendre diriger le pays ? C'est ici, à l'hôtel de Brienne, siège du ministère de la Défense, contre toute attente, que de Gaulle décide d'installer le gouvernement provisoire. Nous sommes donc au premier étage de l'hôtel de Brienne. C'est là que le général de Gaulle s'installe le 25 août au soir. En théorie, de Gaulle aurait dû s'installer à l'hôtel Matignon, lieu traditionnel du chef du gouvernement.
impensable pour lui de s'asseoir dans le fauteuil de ceux qui ont servi Vichy. Il veut se tenir à l'hôtel de Brienne, d'autant plus que l'hôtel de Brienne, c'est là que se trouvait Clémenceau à la fin de la guerre, c'est là que Clémenceau a conduit la France à la victoire, et par conséquent, pour de Gaulle, c'était quelque chose de tout à fait symbolique. De Gaulle n'occupe l'hôtel de Brienne que quelques mois. Il démissionne le 20 janvier 1946. L'homme du 18 juin aura marqué une époque de son charisme et de sa voix. Il se retire alors à la Boisserie. Sa traversée du désert médiatique va durer 12 longues années. Son retour est fracassant. Le 19 mai 1958, il donne une conférence de presse. À ceux qui le suspectent de vouloir préparer un coup d'État, le général répond. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et n'y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? L'homme de radio s'est transformé en bête de télévision. Devenu président de la République, Charles de Gaulle règne sans partage sur ce média. Dans les années 60, il n'y a qu'une chaîne de télévision, donc soit vous regardez le général de Gaulle pendant ses conférences de presse, soit vous éteignez la télé. Le général de Gaulle, homme d'action, a le plus profond mépris pour les journalistes. Il s'emploie néanmoins à les séduire. Qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes? Les gens se battaient pour aller à la conférence de presse du général de Gaulle. C'est un show. Alors, quelques-uns suggèrent que l'on institue la pagaille tout de suite. Et là, je demande à réfléchir. On a des séances de conférences de presse où les journalistes applaudissent, tellement il est drôle. C'est un comédien prodigieux, mais vraiment prodigieux, mais qui travaillait beaucoup. Si je voulais faire rire quelques-uns, ou en faire grogner d'autres, je dirais que ça peut aussi bien durer encore 10 ans, 15 ans. Ses discours, il les prononçait sans notes, mais il les mémorisait. Ça représentait un mois et demi de travail pour lui. Je le voyais répéter son texte à son bureau, avec des mouvements de main, des gestes. Et, comme disait Madame de Gaulle, il se donnait un mal de chien. Mesdames, messieurs, je termine. Pas tout à fait encore. De Gaulle va démontrer aux Français toute l'étendue de son art de la mise en scène en réalisant un dernier coup de force contre le cours des événements. Nous sommes en mai 68. Le président de Gaulle est au pouvoir depuis 10 ans. La France est au bord du chaos. En 1968, plus rien ne fonctionne. C'était une crise sociale. Ça faisait 10 ans qu'il était au pouvoir, et les Français sont les Français. 10 ans pour eux, c'est toujours très long, même si on a affaire au plus grand homme français du XXe siècle. Il a quand même redonné une extraordinaire prospérité à la France, et d'un seul coup, il se fait traiter de dictateur par des gamins qui sont des gosses de riches, en plus. L'ancien militaire va alors jouer d'une ultime tactique pour remporter la bataille. Le président de la République décide de quitter Paris pour sa résidence de Colombelles-et-Deux-Églises. Mon grand-père nous avait dit « le gouvernement ne répond plus, le pays ne répond plus, les institutions ne répondent plus. Qu'est-ce que je fais ?» Il y avait la CGT qui organisait un défilé de l'hôtel de ville à Saint-Lazare. C'est-à-dire qu'il y avait une menace directe sur l'Élysée. Alors le général s'est dit « un palais vide ne se prend pas ». Officiellement, le général se rend donc à Colombelles. En vol, il ordonne aux pilotes de changer de cap. Mon capitaine, on a perdu l'hélico du général. Oh putain. Il disparaît. Tout le monde a commencé à s'affoler, s'inquiéter. Mais où il est? Mais qu'est-ce qu'il est parti faire? Mais il va voir qui? Et la France, elle est paumée. À Paris, le Premier ministre Georges Pompidou et le gouvernement sont aux abois. De Gaulle. Quoi de Gaulle? Il a disparu, personne ne sait où il est. Oh nom de Dieu. Il fallait faire peur. Donc son absence d'un seul coup, comme ça, ferait peur aux ministres, ferait peur au peuple, au Parlement. La France l'ignore. Le général de Gaulle est en Allemagne, à Baden-Baden, venu consulter un fidèle, le général Massu. Foutu, Massu. Général,
c'est pas possible. Tout ça, c'était de la comédie. Il voulait voir quelle serait la réaction. Il l'a souvent fait pendant la guerre. C'est pour tester un petit peu les gens autour de lui, c'est « Oh, je vais tout laisser tomber ». Tout le monde s'inquiète, tout le monde s'affole, et tout le monde se dit « Finalement, le général de Gaulle, c'est pas si mal que ça ». Une disparition de 2 heures qui va renverser la situation. Le 30 mai, 500 000 personnes défilent sur les Champs-Élysées au cri de « Vive de Gaulle ». Ça aurait pu ne pas marcher, mais ça a marché. Il a créé un coup, et ça a fonctionné. C'est un super coup médiatique, super coup. Le général de Gaulle, ça a été, dans la vie politique contemporaine, le premier vrai metteur en scène. Il en avait le goût, il en avait l'utilité, ça c'est certain, et il en avait le talent. Ça aurait été un joueur d'échecs redoutable. Je ne sais pas s'il a jamais joué aux échecs dans sa vie, mais il aurait été redoutable aux échecs, parce que c'était toujours plusieurs coups à l'avance. Yvonne de Gaulle est terriblement jalouse. Son mari est dévoré par une sourde passion, la France. Elle n'a de cesse d'espérer de le faire renoncer à cette folle aventure, mais en vain. Le couple va traverser les périodes les plus dures, sans jamais vaciller. Le général bouscule l'histoire, tel un bulldozer, et Yvonne suit, toujours avec la même bienveillance. Impossible pourtant, même ici à la Boisserie, d'échapper au destin du grand homme. Ces photos que vous voyez ici sont celles des vainqueurs de la guerre, toutes dédicacées. Il y a ici Chiang Kai-shek, le maréchal chinois, et puis il y a les présidents américains, vous avez Roosevelt, Eisenhower, Truman. Ici, vous avez le Négus d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, Charlotte et Félix de Luxembourg, le Bey de Tunis, évidemment Sir Winston Churchill qui trône. De l'autre côté, celle de 2 autres présidents américains, Kennedy et Nixon. Mais ce qui est drôle, c'est que le général n'a jamais voulu accrocher celle du président Johnson simplement parce qu'il ne l'aimait pas. L'histoire, avec un grand H, sert ici de décor. Regardez par exemple cette boîte à cigares qui a été offerte au général de Gaulle par Fidel Castro, qu'il n'a pourtant jamais rencontré, et le général qui avait cessé de fumer. Après la mort du général, on retrouvera certains cigares cachés dans une petite trappe secrète. Et regardez, ils sont tous bagués au nom de Charles de Gaulle. Yvonne de Gaulle a voulu que tout reste ici en place, tel que le général l'avait connu. Elle se tient souvent ici, derrière son mari, mais dans l'ombre. Cette maison, le couple l'a achetée en raison de sa situation géographique, mais aussi pour en faire un havre de paix pour leur dernière petite fille, Anne. Elle est née trisomique et pour elle, le général de Gaulle fend l'armure. La tragédie de sa disparition prématurée en 1948 soude encore davantage le couple. Ce drame intime a sans doute forgé les liens de ce couple inébranlable. Un couple ordinaire qui se protège mutuellement des événements extraordinaires qu'ils traversent. Le général de Gaulle n'aurait pas été le général de Gaulle sans Yvonne, parce qu'elle lui a donné cette stabilité nécessaire à son destin. Comme il le dit lui-même, ma chère petite femme chérie, nous sommes solidement arrimés l'un à l'autre. Je l'aurais dit, le général part en enfer, elle aurait pris son petit sac, elle aurait suivi. L'histoire de ce couple est indissociable de celle de la France. Pendant 30 ans, Charles et Yvonne ont fait face ensemble aux événements. L'austère militaire et la riche héritière ont inscrit leur union sous le signe d'un destin hors du commun. Le ciment de cet amour, ce sera leurs 3 enfants. Philippe, Elisabeth et Anne, leur fille trisomique née en 1928. Pour De Gaulle, c'est un grand, grand chagrin. Sa sœur racontait qu'elle l'avait vu pleurer en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons fait ?» Sa femme et lui s'interrogent énormément. Lui qui attache une telle importance à l'esprit,
à la culture. De plus, elle est atteinte d'une forme grave de trisomie, puisque c'est une petite fille qui ne sait pas parler, qui met beaucoup de temps à marcher et qui ne sait pas manger toute seule. Quotidiennement, c'est un véritable poids, parce qu'il faut s'occuper sans cesse de cet enfant. Et en même temps, cet enfant a été, il le dit, hein, une chance quelque part pour lui. Je crois profondément que si Anne n'avait pas existé, il n'aurait peut-être pas fait tout ce qu'il a fait dans sa vie. Elle lui a appris la fragilité de la vie, elle lui a appris une tendresse, une émotion, un amour très particulier. Elle la prenait sur ses genoux, elle lui griffait les joues, elle lui chantait des chansons militaires. Tiens, voilà le Merle Blanc, viens, voilà le lieutenant. Elle riait. On n'imagine pas de Gaulle dans ce rôle. Moi, je m'appelle Anne à cause d'elle. Hein. Il faut quand même... voilà, c'est... mon prénom n'a pas été choisi au hasard. Charles et Yvonne refusent de placer leur fille en institution. Anne vit au sein de la famille jusqu'à sa mort, à l'âge de 20 ans. Cette épreuve ne fera que renforcer l'affection profonde qui unit ce couple de légende. C'était deux personnes qui étaient extrêmement complémentaires. Et je me souviens à table, quand le général parlait, il regardait sa femme. Il ne lui prenait pas la main, enfin, je veux dire, il ne l'embrassait pas devant nous. Je veux dire, il y avait quand même une certaine distance. Parce que c'était leur caractère, parce que c'était la génération qui voulait ça. Mais c'est vrai qu'il y avait plus qu'une complicité. Il y a eu une union extrêmement forte entre ces deux êtres. Et je crois même qu'ils se sont aimés charnellement. C'était un vrai couple. Elle avait une sorte d'influence apaisante sur lui. Je crois qu'il était rassuré quand elle était là. Si Charles est visiblement très épris de son épouse, il n'en est pas pour autant insensible au charme de la gent féminine. Yvonne ne semble pas avoir de motif de jalousie, même si parfois, elle peut montrer quelques signes d'agacement. C'est un séducteur. C'est quelqu'un qui sait parfaitement l'aura dont il dispose et qui, visiblement, apprécie la compagnie des femmes. Il était ravi de voir Jackie Kennedy. Une fois, il y avait une commémoration et serre les mains de tout le monde. Et puis, à un moment, il fait demi-tour, il revient vers une jeune fille, lui dit « Vous êtes très belle, mademoiselle ». Et puis, il repart. Bien sûr, il n'était pas du tout insensible au charme des jeunes femmes, mais enfin, pas au point de, comment dire, d'y passer du temps. La seule maîtresse qu'on connaît au général de Gaulle, c'est la France. D'une certaine manière, Madame de Gaulle s'est accommodée tout au long de sa vie de cette maîtresse encombrante, mais à la fois séduisante. Quand elle croise Charles de Gaulle pour la première fois en 1920, Yvonne Vandrou ne se doute pas encore qu'elle va devoir le partager avec la France. Elle a 20 ans, lui en a 30. La rencontre entre les deux jeunes gens ne doit rien au hasard. Comme dans toutes les bonnes familles de l'époque, on arrange un rendez-vous. Et c'est une amie commune aux deux familles qui joue les entremetteuses. Elle va le rencontrer lors d'une exposition de peinture au Grand Palais. Ils vont prendre le thé. Laisse tomber sa petite cuillère, alors on y voit une forme d'émotion. Et ensuite, elle va être invitée par Charles de Gaulle au bal de Saint-Cyr à Versailles. Et lorsqu'elle ressort de ce bal, où elle ne va pas du tout danser, parce que Charles de Gaulle déteste danser, elle va dire « ce sera lui ou personne ». Ma grand-mère a tout de suite été assez fascinée, en fait, par ce personnage qui sortait un peu du lot, il faut dire ce qu'il était, physiquement bien sûr, mais justement par ce qu'il dégageait. Les deux jeunes gens ne perdent pas de temps. Moins d'un an après cette rencontre, ils se marient. Yvonne est un bon parti. Elle vient d'une riche famille d'industriels. Et ce n'est pas son seul atout. C'est une jeune fille ravissante et même belle. Elle a un visage très gracieux, elle est très sportive. Elle a une mère très avant-gardiste qui lui a fait faire de l'alpinisme, qui lui a fait faire du tennis. Donc c'est quelqu'un de très tonique. L'autre particularité d'Yvonne Vandrou, c'est qu'elle est dotée d'un caractère très forgé. Elle a exprimé son coup de foudre. Et Charles de Gaulle ne l'a pas dit sur le moment. Il a même eu une phrase un petit peu moqueuse en disant « j'épouse les biscuits Vandrou », histoire de dire qu'il épousait un très bon parti. Mais par la suite, dans les lettres qu'il écrit à son épouse, transparaît un amour qui est véritablement sans équivoque et qui est quelque chose de très beau. Par amour pour Charles, Yvonne renonce au confort et assume les contraintes d'une vie de militaire. Elle s'adapte absolument à tout. C'est fou ce qu'on lui a demandé à cette femme. D'abord, il s'installe dans un petit appartement à Paris.
C'est moche, hein, c'est petit, il y a le métro qui passe tout le temps. Elle fait les courses, elle fait la cuisine, elle cire le plancher. Après ça, il est nommé en Allemagne, il est à Trèves, après il sera à Metz. Et entre-temps, ils sont partis pour le Liban. Lui, il est constamment en expédition dans le désert. Elle est seule avec les enfants. Jamais elle ne se plaint. Yvonne va aussi montrer un certain courage et une confiance aveugle en son mari. En particulier au moment de la débâcle en 1940. Elle est alors réfugiée en Bretagne. Il vient la voir parce que lui partait. Il lui dit, Yvonne, il faut que vous partiez avec les enfants. Vous prenez un bateau, vous me rejoignez à Londres, mais je ne sais pas si j'y serai. Donc déjà, elle ne savait pas si son mari serait. Elle ne savait pas si elle le reverrait. Elle ne connaissait personne là-bas. Elle part avec ses trois enfants sous le bras, dont ma tante qui était quand même très handicapée. Elle va aller à Brest, trouver un bateau qui part pour l'Angleterre. Elle prend un des derniers bateaux de la journée. Le bateau qui est parti avant s'est fait torpiller et a coulé. Elle n'entend pas l'appel du 18 juin parce qu'elle est sur le bateau. Et elle va l'apprendre en arrivant en Angleterre parce que son fils Philippe achète un journal anglais et qu'est noté dessus un certain général de Gaulle a lancé un appel à la résistance. Et du coup, elle découvre que son mari, non seulement est à Londres, mais qui vient de se faire remarquer par un acte qui va rester fameux ensuite dans toute l'histoire de France. Yvonne est prête à tout pour son mari, à une exception. Elle ne souhaite pas participer à son exposition médiatique. Celle que les Français surnomment affectueusement « Tante Yvonne » se montre toujours extrêmement discrète. Jamais d'interview, on ne connaît même pas le son de sa voix. Elle fuit les journalistes et les caméras. Cette attitude lui vaut l'image d'une femme froide et austère, qui n'est pas toujours celle qu'elle donne en privé. Elle ne disait pas grand-chose sur elle-même. C'était quelqu'un qui était très réservé. On saisissait des petites choses, mais à côté de ça, elle était très chaleureuse avec les gens. On dit qu'elle était austère, qu'elle rigolait pas, que... Absolument pas. Je me souviens d'un épisode, pour en prendre un, parce que j'en ai plein d'autres en mémoire. Nous regardions à la télévision Fernandelle. Et on éclatait de rire, mais vraiment. Et elle ne ménageait pas sa bonne humeur. Infatigable, Yvonne participe à presque tous les déplacements de De Gaulle président. En 1962, elle est à ses côtés dans la voiture qui est la cible d'un attentat au Petit Clamart commis par les opposants à l'indépendance de l'Algérie. Foncez au milieu ! Par où foncez ? Sortie indemne, malgré les 14 impacts de balles relevés sur la voiture, Yvonne De Gaulle s'enquiert de la santé de ses passagers. Elle subit également les balles de ceux qui voulaient tuer le général de Gaulle. Elle sort d'ailleurs en disant « J'espère que les poulets n'ont rien ». Non pas les policiers, mais les quelques poules qui se trouvaient dans le coffre de la voiture. Malgré ce qui peut apparaître comme de la désinvolture, Yvonne s'inquiète pour Charles. Si elle a accepté de partager son époux avec la France, après cet attentat, elle aimerait le voir s'éloigner de la chose publique. Sans doute aussi parce qu'elle est l'une des rares à connaître certains aspects de la personnalité du grand homme. Le général de Gaulle a toujours été un mélancolique. Et peut-être un peu un dépressif intermittent. Ça n'est pas un homme gay et ça n'est pas un homme positif. Elle connaît cette sensibilité cachée qu'il ne faut pas montrer. Elle sait à quel point il a souffert de ses échecs, de la naissance et du développement et des crises de la petite Anne. Elle voit à quel point il souffre et ne le supporte pas pour lui. Elle cherche à le protéger. Elle avait peur pour lui, elle avait peur qu'il se fatigue trop. Et puis ma grand-mère n'était pas une femme publique, elle l'a fait. Pour mon grand-père, mais elle rêvait d'une chose, c'était de rester chez elle. En 1965, elle était opposée à sa réélection en lui disant « Charles, vous en avez assez fait, il faut laisser ça à plus jeune que vous. » Elle ne voulait pas qu'il se représente. Elle souhaiterait qu'il se repose, qu'il puisse profiter des dernières années ensemble. Et puis, général de Gaulle, conscient de ses devoirs, se représentera. Yvonne devra patienter encore quelques années avant que le général ne décroche. Sa retraite sera de courte durée. Il meurt un an et demi seulement après avoir quitté l'Élysée. À la mort du général, elle brûle tout. Uniforme, vêtements, sous-vêtements, vaisselle personnelle, tout est cassé en petits morceaux ou brûlé. Elle ne voulait absolument pas qu'on fasse un mausolée.
Hein, elle ne voulait pas que les gens s'emparent des choses comme ça et puis voir circuler à droite, à gauche, qui avait la veste ceci. L'héritage de De Gaulle, pour elle, c'est avant tout un héritage intellectuel et politique, mais certainement pas un culte autour des reliques. Ça, elle voulait l'éviter. Yvonne De Gaulle continue d'habiter à la Boisserie pendant 8 ans. Puis elle finira ses jours dans une modeste maison de retraite tenue par des religieuses à Paris. Elle meurt le 8 novembre 1979. Elle ne se sera jamais vraiment remise de la disparition de son illustre mari. J'étais avec elle et elle regardait par la fenêtre, ayant le regard un peu vague, un peu perdu. Et elle me disait, mais tu sais, depuis que ton grand-père est parti, tout ça ne m'intéresse plus beaucoup. Alors, moi, j'ai rien dit, mais tout était là. Et ce couple-là est un couple qui a fait l'histoire. Bienvenue à l'école militaire de Saint-Cyr. C'est le premier consul Bonaparte qui, en 1802, porte sur les fonts baptismaux celle qui devient très vite l'une des plus prestigieuses institutions militaires de France. L'école s'installe ici, en 1808, à Saint-Cyr, dans les Yvelines. D'illustres noms de l'histoire de France sont donc inscrits dans ses murs. Mais le plus célèbre d'entre eux, l'élève qui les surclasse tous au panthéon des grandes gloires nationales, c'est bien sûr le général de Gaulle. Avec François Ier, il est le plus grand chef d'État que la France ait connu. Et oui, 1m92. Ses camarades le surnomment d'ailleurs le double maître ou la grande asperge. Qu'importe. Il intègre l'école en 1909, 119e sur 221 admis. Il en sort au 13e rang, remarqué surtout pour ses facultés de bavardage. Ses pères lui promettent cependant les plus belles espérances pour l'avenir. Sa carrière militaire s'annonce sous les meilleurs auspices. Un homme le remarque très tôt. Il n'est alors que colonel. C'est Philippe Pétain, son futur rival. Cette période de sa vie est méconnue. Le mythe de De Gaulle n'est pas né en 40 à Londres. Dans les tranchées de la guerre de 14-18, déjà, il se comporte en véritable héros. C'est un De Gaulle soldat inconnu que nous voulons à présent vous faire découvrir. La guerre, le général De Gaulle l'a connue à 24 ans, alors tout jeune lieutenant sorti de Saint-Cyr. Charles De Gaulle veut être sur le front, il veut combattre, il veut être au milieu de ses soldats et gagner. Son côté rebelle vient de très tôt. C'est exprimé très vite et s'est affirmé très longtemps. Repousser ainsi les ennemis, incarner un destin national, le jeune Charles de Gaulle en rêve dès l'enfance. À l'âge de 15 ans, il rédige une fiction qui commence par ces mots-là. « Moi, général de Gaulle, avec mon infanterie, je repousse les troupes prussiennes. » Avec énormément de détails techniques qui prouvent une grande connaissance de l'armée et des armes. Et il se croit vraiment prédestiné. Il se croit vraiment appelé à sortir la France de l'abîme. Il est déjà dans l'invention de son propre personnage. Cette vocation est d'autant plus surprenante que la famille de Gaulle compte peu de militaires dans ses rangs. Sans doute, il faut y voir l'influence majeure de son père, qui était un homme très proche de ses enfants et qui a inculqué à ses fils une grande foi en la patrie. Et surtout qu'il leur a raconté que lui-même a participé au combat de 1870, cette autre défaite de la France, et il les a emmenés sur ces champs de bataille. On a pleuré les provinces perdues, on a de cesse de vouloir les récupérer. Ça transpire au niveau de l'éducation que lui, Henri, va transmettre à ses enfants. Et Charles de Gaulle, quand il voit des monuments comme l'Arc de Triomphe, les Invalides, les revues militaires, ce sont des choses, des événements, des monuments qui l'ont marqué, qui ont forgé ce caractère. Il y a chez Charles de Gaulle une espèce de désir, peut-être inconscient, de poursuivre la guerre que son père a entamée en 1870 et de cette fois de ramener la victoire dans les plis du drapeau français.
Cette passion pour la chose militaire est née dès ses premières années. Et notamment quand le jeune Charles joue sous la véranda de la maison de ses grands-parents maternels, à Lille. C'est ici qu'il naît, le 22 novembre 1890. Car comme le veut la tradition, sa mère, Jeanne, a accouché dans la maison de ses parents. Enfant, Charles revient y passer ses vacances, auprès de sa grand-mère. L'occasion de joyeuses retrouvailles, comme il l'écrira plus tard, avec ses cousins. Un de ses jeux favoris, ce sont effectivement ses petites figurines de plomb. Systématiquement, il s'arrange pour se retrouver à la tête des armées françaises. Les armées autrichiennes ou prussiennes sont les armées qu'il donne à ses cousins, à ses frères. Et ça, dès l'enfance, hein, puisque lorsqu'il joue avec ses petits soldats de plomb, il a 5-6 ans. Adolescent, Charles de Gaulle se passionne pour l'écriture, mais ne perd jamais de vue le destin militaire qu'il s'imagine. Il y a entre autres ce poème intitulé « Je voudrais » qu'il a rédigé à l'âge de 15-16 ans, donc on est en 1905-1906. « Quand je devrais mourir, j'aimerais que ce soit sur un champ de bataille. » Les choses sont dressées dès l'adolescence du personnage. À 18 ans, Charles de Gaulle intègre l'école militaire de Saint-Cyr. Il en sort 3 ans plus tard, à la 13e place. Ici, vous avez son sabre d'élève officier à Saint-Cyr. Ça fait partie de cet uniforme du Saint-Cyrien, cet uniforme bleu marine et rouge avec le casois. Au niveau de la gravure qui authentifie le sabre de Charles de Gaulle, son nom est l'année, donc 1912, Charles de Gaulle faisant partie donc, de la promotion de Fès. Il se distingue déjà par sa taille. Hein. On l'appelle double maître, c'est un de ses surnoms, avec un autre surnom qui est le connétable, qui montre un peu cette espèce de stature non seulement grande physiquement, mais aussi un peu dédaigneuse, un peu hautaine d'apparence. À un moment où il est à Saint-Cyr, un de ses camarades lui dit de manière sérieuse « J'ai l'impression que vous êtes voué à un destin exceptionnel. » Et le général de Gaulle, qui est à l'époque simple lieutenant, très sérieusement lui dit « Mais moi aussi. » Après sa formation militaire, Charles de Gaulle rejoint le 33e régiment d'infanterie à Arras. Il sert sous les ordres d'un homme auquel son destin va être intimement lié, un certain colonel Philippe Pétain. De Gaulle a tout de même de l'admiration pour ce personnage qui a de la prestance. Et puis surtout, Pétain, lui, repère chez De Gaulle un élément très, très doué. Il n'en fait que des compliments. Et il le pousse et il va l'aider parce que De Gaulle a des aspects de sa personnalité qui peuvent déplaire ou irriter fortement ses camarades et même ses supérieurs parce qu'il a une certaine impudence. Parfois, il est tellement sûr de lui et puis tellement brillant. Mais Pétain, lui, le défend, l'apprécie et il apprécie tellement qu'il lui demande d'écrire des livres pour lui. Si Charles de Gaulle a de l'admiration pour Pétain, il n'en fait pas pour autant un modèle. On a un espèce de magnifique chassé-croisé entre les deux hommes, qui ne sont pas de la même génération. De Gaulle est beaucoup plus jeune. Et qui vont comme ça, finalement, en finir à venir lutter l'un contre l'autre. La Première Guerre mondiale, au cours de laquelle Pétain va s'illustrer, vient d'éclater. Et Charles de Gaulle y voit une formidable opportunité. Lui qui rêve d'en découdre se retrouve sur le champ de bataille 2 ans seulement après sa sortie de Saint-Cyr. Il est au front avec ses soldats. Il leur en demande toujours plus. Parfois, d'ailleurs, certains de ses soldats en ont un peu marre du lieutenant ou du capitaine de Gaulle. Un obus tombe. Tous les officiers se jettent à terre pour ne pas recevoir d'éclat et De Gaulle reste debout très flegmatique. Il brûlait de manifester sa bravoure, son talent, sa compétence, d'être à la hauteur. Mais De Gaulle déchante vite. La guerre n'est pas aussi rapide qu'il l'avait imaginé. Et l'un des principaux aspects de sa personnalité commence à émerger. Alors qu'il était au fin fond de la tranchée, dans la boue et la misère, il s'insurgeait déjà contre la bêtise de la hiérarchie, les insanités du commandement de l'époque, la stupidité de la stratégie qui était mise en place. Blessé à 2 reprises dès les premiers mois des hostilités, Charles de Gaulle repart à chaque fois au combat. Mais la guerre va s'arrêter plus vite que prévu pour le capitaine. En mars 1916, il est près de Verdun. Lors d'une violente bataille autour du village de Douaumont, il est fait prisonnier par les Allemands.
Il est horriblement frustré, malheureux. Il a l'impression que le destin lui est contraire. Et il écrit à ses parents des lettres assez désespérées. Un chagrin qui ne pourra jamais se terminer, l'impression d'être inutile. Il en vient à douter même de sa vocation militaire. Il est persuadé que jamais plus il ne retournera dans l'armée parce qu'il aura la honte au front. Il aura perdu du temps dans sa carrière et il ne pourra pas revenir. Il se sera passé des choses, les autres soldats auront appris en combattant et lui n'aura rien appris du tout. Au total, Charles de Gaulle fréquente une dizaine de prisons. En 1917, il séjourne ici, dans la forteresse de Rosenberg, en Bavière. Frédéric Naudufour nous emmène sur les traces de cet épisode méconnu de la vie de l'officier Charles de Gaulle. On est dans la chambre qu'a occupée Charles de Gaulle lorsqu'il a été prisonnier à Rosenberg. Ça n'est pas une cellule avec juste quatre murs et pas de fenêtres ou des barreaux, mais une véritable ouverture sur l'extérieur, la possibilité pour l'officier d'amener des choses supplémentaires, de mettre, pourquoi pas, des rideaux, une chaise, une table, des livres. Donc c'était finalement assez confortable. Il est un peu distant vis-à-vis des autres. Par exemple, les officiers ont tendance à se tutoyer alors que personne ne tutoie Charles de Gaulle. Et dans les douches, les officiers se douchent ensemble, mais personne n'a jamais vu de Gaulle tout nu. Il se débrouillait pour aller à un autre moment dans les douches. Même si ses conditions de détention sont correctes, Charles de Gaulle n'a qu'une obsession, retourner au combat. Le 15 octobre 1917, il s'évade de Rosenberg avec quatre officiers. Ils attendent un soir d'octobre où il y a un énorme orage qui éclate avec beaucoup de pluie. Ça a deux avantages, c'est que les gardes sont comme les autres, ils n'aiment pas la pluie, ils se mettent à l'abri et donc ils surveillent moins bien les remparts que d'habitude. Et le bruit de la pluie et du vent couvre les éventuels bruits des pas, des serrures qu'on est en train de forcer, des pierres que l'on pousse. Et c'est donc parfait pour une évasion. Charles de Gaulle et ses complices ont établi un plan très précis et recenser les portes et les murailles qu'ils auront à franchir. Ils se sont également procurés des draps en assez grand nombre pour franchir ces 40 mètres de remparts. Mais les évadés sont repris 10 jours plus tard. Charles de Gaulle passera le reste de la guerre en prison, soit plus de 2 ans et demi. Il ne sera libéré qu'après l'armistice. À la fin de la guerre, il écrit à sa mère et il lui dit « Je ressens ça comme un vrai échec, je suis passé à côté de ma vie, je n'ai pas pu combattre le reste de la guerre. » Charles de Gaulle s'appuie alors sur son court séjour au combat pour réfléchir et élaborer ses théories sur la guerre. Dans les années 20 et 30, il écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il développe ce que doit être l'armée française à ses yeux. Il était très conscient des faiblesses de l'armée française et donc tout son combat, en fait, à partir des années 30, c'est justement de réveiller la conscience d'abord de l'état-major, des militaires et puis ensuite des politiques. Et c'est pour ça qu'il va notamment rencontrer Paul Reynaud, rencontrer Léon Blum et essayer de faire bouger un peu l'état d'esprit du milieu militaire. Il a une obsession, c'est qu'il faut que l'armée française s'équipe de chars, notamment d'avions aussi, mais de chars surtout. Parce que le char, pour lui, c'est vraiment l'arme de la future guerre, de la prochaine en tout cas. Le colonel de Gaulle est à ce moment-là le seul en France à promouvoir l'idée des chars. Les seuls qui le reconnaissent finalement sont les Allemands. Et d'ailleurs, Ribbentrop dira à un moment à un de ses homologues français, est-ce que vous connaissez de Gaulle ? Bien évidemment, le ministre ne connaît pas de Gaulle. Et lui dit, bah, pourtant, c'est bien le seul qui a compris comment les choses fonctionnent. Hitler, lui, équipe l'armée allemande de chars, de puissantes Panzerdivisions. Jusqu'à juin 1940, Charles de Gaulle dirige alors la plus puissante des unités blindées de l'armée française. Son unité est l'une des seules qui parvient à repousser les troupes allemandes lors de la bataille de Montcornet. Il fait 126 prisonniers. Il n'y a pas eu grand-chose comme victoire française à l'époque. Ben voilà, ben lui, il en a fait une avec les moyens qu'il avait, puis ça a marché. Le général de Gaulle est sans doute le rare à avoir fait des prisonniers allemands pendant cette campagne de France. Cet épisode peu connu de la carrière de Gaulle lui vaut une reconnaissance tardive de sa hiérarchie. Il est nommé général à la mi-juin 1940. Il est déjà trop tard. C'est ici, à la Boisserie,
que le grand chêne est tombé, selon l'expression connue d'André Malraux, même s'il n'y a aucun chêne dans la propriété. Parce que le grand homme s'y est éteint, eh bien, le lieu est chargé d'émotions. Nous sommes le 9 novembre 1970. Ce soir-là, le général de Gaulle est assis à cette petite table où il joue aux cartes. Et soudain, il s'écroule. J'aimerais vous faire découvrir maintenant le bureau du général de Gaulle, là où il a rédigé ses mémoires. Ce qui est très émouvant, c'est que la pièce est restée telle que le général de Gaulle l'a connue. Et regardez cette photo. C'est la dernière. Elle a été prise la veille de sa mort à la sortie de l'église de Colombey. Et c'est Yvonne de Gaulle qui l'a placée ici. Et jamais plus ce bureau ne sera utilisé. Il y a d'autres objets que j'aimerais vous montrer dans le bureau du général. Comme par exemple ce magnifique album photo que Mohamed Reza Pahlavi, le Shah d'Iran, lui a offert lors de sa visite officielle en octobre 1963. Les photos qu'il contient sont totalement inédites. On voit même le général de Gaulle qui porte des lunettes, ce qu'il ne faisait jamais en public. Ce globe ici est le seul objet qui était dans le bureau de l'Élysée et que le général a conservé ici, comme pour mieux tourner la page lorsqu'il démissionne de la présidence de la République le 28 avril 1969. Le couple a fait le tour du monde, fréquenté les plus beaux palais. Ils ont aussi vécu sous les ors de la République, à l'Élysée ou à Matignon. Et pourtant, aucun de ces palais, fût-ce le plus prestigieux, n'égale aux yeux de Charles et d'Yvonne leur chère boisserie, dont ils vont faire le centre de la France. C'est une ancienne brasserie, située au cœur d'un parc de 2 hectares en Haute-Marne, à Colombey-les-Deux-Églises. Cette région austère correspond bien à la personnalité de Charles de Gaulle. C'est un paysage de la France de toujours, avec des vallons, avec un petit clocher, avec l'horizon. Et ça ressemble à la vision que de Gaulle a de la France. C'est un paysage d'une grande sévérité. Colombey est entouré de forêts. Il paraît que dans l'Antiquité, cette forêt faisait peur aux Romains qui, au moment de César, étaient en train d'entreprendre la conquête de la Gaule. Il m'a dit, vous savez, ici, certains hivers, j'ai trouvé des corbeaux morts dans cette allée. Et pour qu'un corbeau meure, il faut qu'il fasse moins 40 ou moins 50 degrés. Il était conscient de la sévérité du lieu. On n'imaginerait pas de Gaulle acheter un mât en Provence ou au bord de la Méditerranée. Ça ne lui correspond pas. Donc la boisserie, ça lui correspondait bien. Cette maison de la boisserie, Charles et Yvonne de Gaulle s'y installent au début des années 30. À l'époque, la famille de Gaulle vit au rythme des déménagements imposés par la carrière militaire du chef de famille. C'était un endroit stratégique puisqu'il était en garnison en Allemagne et dans l'Est. Donc c'était un endroit facile d'accès pour un militaire à son époque. Donc il l'a acheté en viager. Et pour une fois, il a eu beaucoup de chance en affaires, c'est que la dame est morte quasiment l'année suivante, noyée dans sa baignoire, ce que j'ai pour ma part toujours considéré comme suspect, bien que jamais il y a eu quoi que ce soit d'insinué contre de Gaulle. Voilà, il a eu de la chance. La famille de Gaulle procède à quelques aménagements pour rendre cette demeure plus confortable. Après la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle fait construire cette tour hexagonale, dans laquelle il installe son bureau. C'est là que le général va écrire ses mémoires. Charles de Gaulle qui pouponne. La scène a de quoi surprendre. À la boisserie, véritable maison de vacances, le général endosse le costume de grand-père. Loin de son image publique, même si l'homme reste impressionnant. Mon grand-père était un personnage un peu particulier. On ne s'asseyait pas sur ses genoux, on ne lui tapait pas sur le ventre et on ne le grattait pas sous le menton. Bien sûr, il y avait de la retenue, mais il n'y avait pas de réserve. Moi, je riais avec lui, il m'a appris à jouer aux cartes, il me chantait des petites comptines. Alors évidemment, pour des enfants, un monsieur qui est très grand, il en imposait. C'est sûr qu'il y avait un respect naturel. Si la porte du bureau était fermée, aucun d'entre nous n'aurait été frappé à la porte pour entrer.
la boisserie devient le refuge de la famille. Une vie calme et chaleureuse, mais au rythme quasi militaire. Quelquefois, on s'arrêtait sur la route à 10 km de Colombey parce qu'on était attendu à midi. On n'était pas attendu à midi moins le quart ou à midi un quart. On était attendu à midi. À telle heure, on s'arrête pour déjeuner et puis après, on revient travailler. Après, il y a le thé et puis après, il y a les patients, les parties de cartes. C'est vraiment une vie de travail, une vie monastique. Le couple a aménagé cette maison de famille pour que les plus jeunes y passent chaque été de bons moments. C'est leur petit-fils, Yves de Gaulle, accompagné de son épouse, qui évoque aujourd'hui le souvenir de ses vacances à la boisserie. C'était un grand-père très attentif à ses petits-enfants, attentif à tout point de vue. Que nos études se passent bien, que nous soyons bien quand nous venions les voir, c'est quelque chose qui leur importait. Et nous, nous étions contents de venir. Mes grands-parents avaient fait aménager dans le petit espace une piscine en plastique. Et puis le golf miniature à côté. Le trou numéro 1 commençait en bas, le rectiligne, monté par le 2 à l'extérieur, et puis voilà, ainsi de suite, en redescendant jusqu'au 9. Et puis avec les années, voilà, le golf, il a fait comme nous, il a vieilli. Chaque été, tout le monde se réunit pour partager les bons petits plats d'Yvonne de Gaulle. Nous prenions toujours les enfants, nos repas, avec mes grands-parents. Il y avait des plaisanteries. À un moment, on disait « Yvonne, c'est le cerf du Navarin d'agneau sans agneau ». Non, c'était pas vrai. Elle faisait venir les meilleurs produits, l'huile d'olive de Nice, le saumon d'Écosse. Et quand les gens venaient déjeuner, il y avait des repas tout à fait convenables. Il aimait bien la bonne cuisine française. Donc, il aimait bien un bon bœuf bourguignon, une bonne blanquette, un bon rôti. Mais il avait bon appétit, hein. Et très bon appétit, mon grand-père. Il mangeait très bien. À la boisserie, on cuisine aussi les poules du jardin. Mais cela doit se faire en toute discrétion. Vous avez ce qui reste du poulailler. Tous les matins, ma grand-mère allait chercher ses œufs frais. Et c'est là que, parce que de temps en temps, les poules, on leur tord le cou pour les mettre au pot. Effectivement, mon grand-père ne souhaitait pas qu'on lui dise, en tout cas en faisant en sorte qu'il ne le sache pas, que c'était l'une de ses poules. Il n'aimait pas manger un animal qu'il avait connu personnellement. Cette vie simple d'une famille bourgeoise, ce sera aussi celle de Charles et d'Yvonne de Gaulle à l'Élysée. Quand le général est rappelé aux affaires en 1958, le couple sait que ce n'est que provisoire. Lorsque les De Gaulle emménagent à l'Élysée, Yvonne de Gaulle écrit à une de ses cousines « Nous voici en meublé ». Parce que elle considère que ce n'est pas chez elle. De Gaulle avait fait installer un petit compteur électrique dans ses appartements privés pour mesurer sa consommation personnelle. On n'était pas là pour profiter. Un jour, ma femme se trouve à l'Élysée avec Madame de Gaulle dans la salle des fêtes. Et Madame de Gaulle lui dit, oui, les rideaux, évidemment, dans la salle des fêtes sont défraîchis, il faudrait les changer. Mais le général ne veut pas parce que ça coûterait trop cher. On a été déjeuner plusieurs fois à l'Élysée, toute la famille. Et après, il nous disait, parce qu'il voulait que ça se sache, c'est oncle Charles et tante Yvonne qui vous ont invité. Ça voulait dire, c'est eux, sur leur denier personnel, qui ont invité toute la famille. C'est pas l'État français qui vous a invité. Ils sont dans une aile de l'Élysée, ils n'ont pas fait de travaux de rénovation particuliers, c'est assez vieillot. Ils ont la télé, c'est une des premières télés. Il n'était pas heureux à l'Élysée parce qu'il se sentait prisonnier, il était au cœur de Paris, il y avait du bruit, il y avait de l'agitation. C'est qu'à Colombey, il était mieux. Charles et Yvonne retournent donc très régulièrement à la boisserie, leur véritable demeure. Ils s'y rendent un week-end sur deux lorsque le général est président. Et plus encore qu'à l'Élysée, le couple veut y préserver son intimité. Yvonne, qui ne porte pas les journalistes dans son cœur, met en œuvre des stratagèmes pour les maintenir éloignés. Elle interdit à sa femme de chambre d'aller faire les courses à la ville la plus proche en prenant le bus. Parce qu'elle imagine qu'un journaliste pourrait faire exprès de monter dans le bus pour lui poser des questions. Elle préfère lui payer le taxi. «
si la boisserie demeure un lieu privé, Charles de Gaulle va tout de même faire une exception. Peu de temps après son retour au pouvoir, il organise une rencontre avec le chancelier allemand Konrad Adenauer. Et pour sceller cette rencontre dans le marbre de l'histoire, il l'invite à colomber les deux églises. Si ça avait été une visite d'Adenauer à Paris, ça prenait le caractère d'une visite d'État à État. Parce que là, c'était un rapprochement véritablement de deux peuples, à travers deux personnes. Il ne faut pas oublier que ça n'est jamais que 13 ans après la fin de la guerre. D'ailleurs, sa nièce Geneviève, qui a été déportée à Ravensbrück, elle lui écrit « Il n'y a vraiment que vous qui pouviez me faire avaler cette couleuvre ». Au sein même du personnel de la boisserie, il se heurte à des réticences. Ses domestiques lui disent tout net « Moi, je ne servirai pas un Allemand ». Rien qu'à l'échelle de sa propre famille, il se rendait compte que c'était quelque chose de compliqué. On a vu arriver deux voitures avec le chancelier et son entourage, mais qui était réduit à assez peu de personnes. Mon grand-père l'attendait là sous le porche, et puis ils sont rentrés. Et puis après, on nous a expliqué qu'il fallait que sa famille en déguerpisse pour laisser tranquille la réunion qui allait avoir lieu. Konrad Adenauer passera même une nuit à la boisserie, dans la chambre située juste au-dessus du bureau de Charles de Gaulle. Il a pu lui aussi contempler d'un tout petit peu plus haut l'horizon infini. D'ailleurs, en direction de son pays, quand on l'imagine, hein, les plaines d'Alsace et puis après l'Allemagne. Finalement, quand ses domestiques ont reçu Adenauer, qu'elles ont servi bien entendu, elles ont constaté que c'était quelqu'un de très gentil, de très charmant. Il leur avait donné des petits cadeaux. Et ben, ce qui avait marché à l'échelle de la famille, c'est-à-dire la conviction des domestiques qui avait totalement changé, de Gaulle espérait que ça allait marcher à l'échelle du pays. Charles de Gaulle réussit son pari. Cette rencontre reste dans l'histoire comme la première pierre de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. Aucun autre chef d'État n'aura le privilège de séjourner ainsi à la boisserie. La croix de Lorraine, c'est le symbole officiel que le général de Gaulle choisit pour différencier les bâtiments et les avions des forces libres de celles du gouvernement de Vichy. Cette croix gigantesque, de plus de 43 mètres de haut, composée de granit rose, de perovskirek et de bronze, est inaugurée le 18 juin 1972 en présence d'Yvonne de Gaulle, très émue. On la voit de la boisserie. C'est le général de Gaulle qui, en 1954, déclare à un journaliste « Vous voyez cette colline, c'est la plus élevée. On y édifiera une croix de Lorraine quand je serai mort. » 67 pays ont participé à son financement. C'est exceptionnel. Elle surplombe aujourd'hui le mémorial Charles de Gaulle qui connaît un véritable succès dès son ouverture avec 400 000 visiteurs dès la première année. Un mémorial où l'on peut admirer notamment les voitures du général, dont ces fameuses DS et cet exemplaire unique, la DS Prestige, que le général de Gaulle veut à l'époque plus longue que les limousines américaines. Pour l'anecdote, une maquette en bois est réalisée avant sa fabrication. Charles et Yvonne de Gaulle viennent la voir et l'essayer. Yvonne de Gaulle refuse de se prêter au jeu. Sur un ton martial, le général lui déclare « Yvonne, ces messieurs attendent, prenez place, je vous prie ». Pour la France, rien n'est trop grand, rien n'est trop beau. Pour elle, il a des ambitions de grandeur et d'indépendance. Il aime répéter « les Français sont capables de tout, même du meilleur ». Cette relation fusionnelle, cette fierté d'être son chef, le général va la vivre parfois jusqu'à l'excès. Il
Il est le premier chef d'État français à se mêler ainsi à la foule. Sans doute pour pouvoir jouir sans barrière de son extraordinaire popularité. L'histoire de De Gaulle, c'est l'histoire de ses rencontres avec le peuple de France. Il n'y avait pas plusieurs classes de Français avec Charles de Gaulle. Il n'y avait pas les Français d'en bas, il n'y avait pas les Français d'en haut, il y avait les Français, simplement. La cote du président de la République française, le général de Gaulle, quelque chose d'extraordinaire. Des foules extraordinaires. On avait le sentiment que le fait même d'être à peut-être 100 mètres de lui, c'était dans la vie de quelqu'un un moment absolument essentiel qui devait marquer pour toujours. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le charisme aussi. C'est un homme qui se confond lui-même avec la France. Je ne sais pas à quel point son nom même a joué là-dedans. Cette fusion entre l'homme et son pays conduit le général de Gaulle à exiger le meilleur pour la France, et notamment en matière de sport, dont il fait un symbole politique. Il s'intéresse au sport. C'est une manifestation de la vitalité des Français. Et c'est... Tout ça, ça fait partie de la France pour lui. Il voulait que la France gagne. Il avait une admiration sans borne pour le champion français qui gagne. Parce que lui, il disait toujours, si la France gagne en sport, ça peut faire que du bien au pays. Il regardait à la télévision le tournoi des Cinq Nations commenté par Roger Coudert. Ça, moi, je l'ai vu, on l'a vu ensemble. Donc, je veux dire, c'est des trucs qui marquent. Et si l'équipe de France perdait, il disait à Madame de Gaulle, cet arbitre est un traître. Serpent qui chaque année se love autour de la France a terminé sa reptation. Nous sommes en juillet 1960. Le général de Gaulle, revenu au pouvoir un an et demi plus tôt, passe ses vacances en famille à la Boisserie. Le général regardait le Tour de France à la télévision, c'était l'été. On lui dit, vous savez mon général, le Tour de France va passer à telle heure à Colombey-les-Deux-Églises. Comme tout un chacun, le général de Gaulle sort donc pour voir les coureurs passer. Dans la foule, très nombreux sur le bord de la route, grande surprise, le président de la République et Madame de Gaulle au milieu des villageois de Colombey. Impossible pour le simple résident de Colombey d'échapper à son destin. Du jamais vu dans l'histoire du Tour de France, la course s'arrête le temps d'un hommage improvisé aux héros de la Seconde Guerre mondiale. Lui, il y a été tranquillement avec ses lunettes. Comme un supporter. Ça a mis une pagaille. Il y a des coureurs, mais des grands coureurs de l'époque, hein, ils sont arrêtés parce que c'était le général, mais leur seul souci, c'était de faire une photo en pleine compétition avec le général de Gaulle. C'était extraordinaire. Adulé par les sportifs, le général de Gaulle ne fait pas l'unanimité chez les artistes. C'est son ministre et ami André Malraux qui se charge alors de faire les présentations. Les plus grandes stars de l'époque répondent à son invitation. Fernandel, Louis de Funès, Bourville, sans oublier la plus sulfureuse des actrices de l'époque. Les monstres sacrés du cinéma, de l'art, défilés dans le salon des ambassadeurs. Et à un moment déterminé, on voit apparaître Brigitte Bardot, grande, magnifique, en hussard de la mort, en noir, en pantalon, extraordinaire. Alors le général donne un coup de coude à Malraux, il dit « chic, un militaire ». Il vous a parlé quand même ? Ah oui ? Oui, vous connaissez qui vous allez. Il m'a dit des choses très charmantes. Laissez-lui, quelle impression ça vous a fait comme ça de vous trouver en face du général de Gaulle ? Ah bah c'est toujours impressionnant de se trouver devant des personnages comme ça. Il m'a demandé si j'étais un optimiste, je lui ai dit oui. Avec un chef d'État pareil, c'est obligé. Le président de la République donne le là. Sous son impulsion, la France connaît une véritable révolution. 4, 3, 2, 1. La France est en pleine explosion industrielle. La France, pour lui, c'est la France qui ose, c'est la France qui a la fierté d'elle et qui, étant fière d'elle, va aller au-delà de ce qui est imaginable. Nucléaire, aéronautique,
C'est à cette époque que le programme Airbus est lancé, de même que le Concorde, l'avion commercial le plus rapide du monde. C'est aussi à cette période que les premières études pour le TGV sont menées. Ils souhaitaient changer l'économie française pour l'ouvrir, pour la moderniser et pour faire en sorte que tout le monde en profite. Le général de Gaulle a réussi quand même à rendre la France prospère. C'est-à-dire qu'il y avait un boom de la consommation. Les machines à laver, l'électroménager, les voitures, il y avait du boulot pour tout le monde. Il a toujours eu le souci du développement de la France, qu'elle épouse, comme il disait, que la France épouse son siècle dans tous les domaines. Il faut que la France, grande puissance, impose son rayonnement au monde. Et c'est ça, de Gaulle, une certaine idée de la France. Cette idée qu'il incarne la France, de Gaulle se l'est forgée depuis la Seconde Guerre mondiale. Au nom de la France, il n'a de cesse d'exaspérer ses plus fidèles alliés. De Gaulle ne comprenait pas pourquoi on ne le traitait pas comme la France. Après tout, je suis la France, les égards dus à la France, comment se fait-il qu'on ne me donne pas les moyens ça, pour Churchill, c'était insupportable. De Gaulle était en exil, il devait obéir à Churchill. Et pour De Gaulle, c'était l'inverse. Si on ne nous respecte pas, il faut être le plus insupportable possible. La grande puissance se mesure à sa capacité à empoisonner le monde. Et ça, c'était la carte de visite du général De Gaulle. Pour lui, la France est un combat de tous les instants. Le moindre détail prend des proportions d'affaires d'État. Il se bat pied à pied pour tous les éléments de la souveraineté, pour que la France recouvre sa souveraineté. Quand il débarque en Normandie, la première chose qu'il fait, c'est « Amenez-moi le chef résistant du coin, on lui amène et il lui dit « Vous serez préfet ». Tout de suite, il arrive, vous serez préfet, c'est la France, c'est un Français qui doit gouverner la France. La seule chose qui l'intéressait, c'était ce qu'il croyait être l'intérêt de la France. Les alliés, c'est fait pour être des instruments à son service. Les ennemis, ça peut devenir des amis si c'est au bénéfice de la France. C'était une tactique payante. De Gaulle s'est aperçu que, à court terme, ça faisait du scandale, mais qu'à long terme, la France y gagnait, donc il continuait. Ses principaux soutiens savoureront désarmés face à ce caractère un brin mégalomane. Mon général, est-ce que vous savez que vous nous avez causé plus d'ennuis que tous nos alliés réunis ? Et De Gaulle sourit béatement et dit « Je n'en doute pas, la France est une grande puissance. » De Gaulle a dès lors une obsession. Faire entendre une nouvelle fois la voix de la France dans le concert des nations, quitte à bousculer l'histoire. En pleine guerre froide, alors que l'URSS et les États-Unis veulent se partager le monde, le général de Gaulle veut faire de la France l'arbitre de ce combat de titans. Sa volonté, c'est de dire, bon, qu'y a-t-il en dehors de la réalité des Américains et des communistes ? Il y a nous, c'est-à-dire la France. Et donc son idée, c'est d'affirmer effectivement, au milieu des deux géants que sont les Russes et les Américains, la présence de la France. Le président de Gaulle fait le tour du monde. Partout, le héros de la Seconde Guerre mondiale, celui qui a dit non, est accueilli triomphalement. Malice de ce génie de la communication, chacun de ses discours s'ouvre par quelques mots dans la langue du pays. Comme ici, au Mexique, en 1964. El pueblo francés propone al pueblo mexicano marchemos la mano en la mano y viva México! Sur le plan international, la France a retrouvé brusquement un statut, voilà. Par nature, on s'est retrouvé parmi les cinq principaux pays tout de suite. Lors d'un voyage historique en URSS en 1966, le général de Gaulle tend la main de la France à l'ennemi principal de ses alliés, l'Angleterre et les États-Unis. Entre les Russes et les Américains, lui va comprendre que la France, grande puissance, doit pouvoir discuter avec tout le monde et elle discute en fonction de ses intérêts et non pas en fonction des intérêts des Américains ou de qui que ce soit. Et donc il y a beaucoup de friction effectivement avec les Américains, mais le général de Gaulle, d'une certaine manière, ne se mesure qu'aux grands, et les grands de l'époque sont les États-Unis et les Russes. De Gaulle était un gêneur.
C'était pratiquement la devise du général de Gaulle. Un homme peut avoir des amis, une nation, jamais. Puissons voici. Démonstration quelques mois plus tard, quand en pleine guerre du Vietnam, le général de Gaulle attaque frontalement les États-Unis. Il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique. Il faut laisser chaque peuple disposer à sa façon de son propre destin. Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est ça le De Gaulle révolutionnaire. C'est ça le De Gaulle voix de la France. C'est ça le De Gaulle qui a ce message de la France traditionnelle. C'est De Gaulle. Cette voix, cette exception française, est à l'origine d'un incident diplomatique majeur dont le général de Gaulle se montrera particulièrement fier. En juillet 1967, le président de la République se rend au Canada pour un voyage officiel. À peine le pied posé sur le sol du Québec, le général de Gaulle mesure toute la ferveur de la population francophone venue l'accueillir en masse. Les gens étaient là pour l'attendre, pour le voir. Une foule terrible, et puis c'était une fête là-bas. Il a traversé Montréal en voiture découverte. Il y avait plus d'un million de personnes. Plus d'un million de personnes. Aucun discours n'est alors prévu par les officiels de la ville. Une simple réception dans les salons de l'hôtel de ville de Montréal. On monte au premier étage. Oh, du délire, du délire. Bon, moi, je monte en même temps que le général. Il y a un balcon. Au fond, s'il n'y a pas un mec de caché. Qu'est-ce que je vois un micro. C'est tout. C'est tout. Puis je reviens à ma place à côté du général. Et en sortant, on repasse devant le balcon où était la foule. Le général lève les bras, la foule pousse un grand cri. Le général de Gaulle ne tient plus en place, électrisé par cette foule venue l'acclamer en libérateur, comme sur les Champs-Élysées, 23 ans plus tôt. Le général dit, mais est-ce qu'il y a un micro ici? Et comme on était en retard, le maire, il se la ferme. Mais moi, je dis, mon général, il y en a un là-bas. Oh, allez me le chercher. Alors je vais amener le micro et c'est là qu'il pond. Vive le Québec libre. Alors là, je vais vous dire une chose, vive le Québec libre, ça avait fait du bruit. Hein. Vive le Québec libre. On avait véritablement l'impression d'un fou qui agressait les Canadiens, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., etc. Vive le Québec libre, effectivement, c'est vécu comme une provocation, c'est vécu comme un affront à l'Amérique. Alors naturellement, ça plaît pas, mais c'est pas son problème. Il dit, ok, quoi, vous avez votre destin dans vos mains. Et vive le Québec libre. Il est apparu comme l'homme qui luttait pour les petits contre les gros. La foule applaudit son libérateur venu du vieux continent. Le voyage est aussitôt interrompu. De Gaulle doit rentrer en France. Toute sa vie, le général de Gaulle aura tenté de restaurer l'idée de grandeur qu'il se faisait de son pays. Il incarne la puissance que la France perdait avec son empire colonial, eh ben il l'a remplacé par sa propre voix et sa propre puissance qui donnait l'illusion aux Français, finalement, bah, qu'ils étaient toujours forts avec ce général, avec ses étoiles sur son képi, qui arrivait à incarner ce qu'ils étaient, leur pays. Restaurer la grandeur de la France, mais pas seulement. Le général de Gaulle veut aussi la réconcilier avec son passé. Et souvenez-vous, son père est monarchiste. Nous sommes en plein cœur du domaine de Versailles. Juste derrière moi, le Grand Trianon. Arrivé au pouvoir, le général de Gaulle demande à son ministre de la Culture, André Malraux, de le restaurer,
afin de le transformer en lieu de résidence pour la présidence de la République. Le président de Gaulle n'a effectué que de rares séjours ici, et jamais à titre privé, on s'en doute. C'est par ce perron qu'il accédait à cette aile qu'on appelle Trianon-sous-Bois, longtemps gérée par la présidence de la République qu'il a, au fil du temps, délaissée. Cette aile n'est jamais ouverte au public, mais exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation de vous la faire découvrir. Tout ici est resté tel que le général de Gaulle l'a connu. Pour accéder à son bureau, il faut traverser ce salon où ses visiteurs patientent, puis le bureau de ses aides de camp. Les boiseries de style Régence sont du XVIIe siècle, tandis que le mobilier que vous voyez ici est du Premier Empire. Les grandes pages de l'histoire de France sont incarnés dans ce décor. Alors, on sait que le général de Gaulle n'accorde que peu d'importance au style. Et pourtant, il félicite son ministre de la Culture, André Malraux, pour, je cite, « cette magnifique réussite ». Le général apprécie particulièrement cette pièce qui est tendue de velours vert gaufré. Tout est resté en l'état, je vous le disais. Et regardez cette sonnette de service qui lui permettait à loisir d'appeler ses aides de camp. Le général se sent bien à Versailles, sans doute mieux qu'à l'Élysée. Il se fait d'ailleurs aménager à l'étage un appartement privé. Suivez-moi. Voici le salon. Là, le mobilier n'a plus rien d'historique. Ces fauteuils ou ce canapé ne répondent qu'à une seule exigence, ils sont confortables. Attenante à cette pièce, je vais vous faire découvrir maintenant la chambre où Yvonne et Charles de Gaulle ont séjourné. Regardez, les meubles sont d'époque Louis XVI. Pour l'anecdote, les lits ont été agrandis pour accueillir ce géant. La chambre est suivie d'une toute petite pièce, la salle de bain. Alors, rien de bien grandiloquent, la pièce est toute petite. Regardez, les meubles sont en loupe d'orme et les poignées sont en ivoire. Là encore, cette salle de bain ne répond qu'à une seule exigence, elle doit être pratique. Mais j'aimerais à présent vous montrer dans quel état se trouve Trianon-sous-Bois. Eh bien, il est aujourd'hui quasiment à l'abandon. L'humidité menace ce bâtiment, qui est pourtant témoin de tant de pages de notre histoire. L'administration du château de Versailles cherche aujourd'hui les moyens de le sauver. Le général de Gaulle a voulu restaurer la place de la France dans l'histoire en faisant de ce lieu le symbole d'une grandeur recouvrée. Modeste dans sa vie quotidienne, le général de Gaulle n'a pas toujours la même humilité lorsqu'il s'agit de lui-même. Il façonne sa propre légende dans ses mémoires, quitte à laisser de côté nombre de ceux qui l'ont aidé à se construire. Ce costume, que d'autres essaieront après lui d'enfiler, il se l'est taillé sur mesure. Jusqu'à sa mort, un soir de novembre 1970, il va soumettre la France à l'idée de grandeur qu'il s'en fait. novembre 1970. Colombelles et deux églises se recueillent devant la dépouille du plus illustre des Français du XXe siècle, le général de Gaulle. C'est une image, moi, qui m'a marqué à vie. Du monde, mais du monde. Il y avait des millions de gens. C'était incroyable, incroyable. Je garde toujours l'image, cette marée humaine qui était à la sortie des deux côtés de la route qui va jusqu'à l'église, ça fait presque un kilomètre, qui était remplie de gens en larmes. On était assaillis par le silence. On n'entendait rien. On n'entendait que le bruit des roues sur le macadam. On entendait du vent, et c'est tout. «
On a vu, c'était très émouvant, les garçons de Colombey qui portaient le cercueil. Ces garçons, on aurait, qui étaient tous petits employés, charcutiers. Non, non, c'était extraordinairement émouvant. Le général de Gaulle a refusé dans son testament tout hommage national pour ses obsèques. À l'intérieur de la petite église, seule la famille et les compagnons de la libération sont autorisés. Charles de Gaulle, ben il est mort comme un chevalier. Il avait créé son ordre, les compagnons de la libération, qui étaient là, sa famille. Les habitants de Colombey, l'église, et ses camarades de Saint-Cyr représentés par un détachement de l'école militaire. La France pleure son héros à Colombey-les-Deux-Églises. Le monde décide de se recueillir à Notre-Dame de Paris. Deux églises situées aux extrêmes de la hiérarchie, deux hommages différents pour l'ancien président de la République française. De très nombreux chefs d'État étrangers, de toutes confessions, politiques ou religieuses, sont venus rendre un dernier hommage à l'homme du 18 juin 1940. C'est l'hommage du monde à un homme qui a résisté toute sa vie. L'histoire était en train d'entrer dans l'éternité, au moment où le mythe commençait à prendre son envol. Un mythe qui cache de nombreuses pages d'ombre. 40 ans après la mort du général de Gaulle, il convient de les explorer. Dans ses mémoires, par exemple, le général de Gaulle refuse de partager la vedette avec quiconque. Pas même avec son fils Philippe, pourtant héros de la Seconde Guerre mondiale. Mon père s'est remarquablement bien battu, en défendant les côtes anglaises sur une vedette lance-torpille. Et puis il a été après affecté à la 2e DB au moment du débarquement en France. Donc effectivement, oui, il s'est battu, il a eu un comportement héroïque. Mais mon grand-père ne souhaitait pas que ses descendants directs aient une place quelconque, une considération quelconque, une reconnaissance quelconque, particulière, hein, vis-à-vis des autres. C'était pas comme ça que ça se passait dans sa culture, dans sa vision du monde. Pour sculpter sa propre légende, de Gaulle est aussi capable de refaire l'histoire dans le sens de son seul intérêt. Les images du général descendant les Champs-Élysées en libérateur de Paris en août 1944 cachent en fait une obscure manœuvre politique. De Gaulle refuse de laisser Paris aux mains de la résistance, composée en majorité de communistes. Il force alors la main des Américains pour asseoir son autorité. De Gaulle a demandé à Eisenhower, ça ils sont bien gardés de le dire dans ses mémoires, mais il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas dites dans ses mémoires. Il a demandé à Eisenhower de faire passer des divisions américaines en route vers le front, de les faire défiler dans Paris, comme un service personnel. Et bon, Eisenhower, un bon gars quand même, bon, ils l'ont fait. Et ça a intimidé les communistes. Grâce à cette intervention américaine, de Gaulle enfile le costume de libérateur de Paris et s'impose comme le chef incontestable du nouveau gouvernement. Il a alors un rêve en tête, réformer les institutions du pays pour les tailler à sa mesure, celle d'un monarque républicain omnipotent. De Gaulle en est persuadé, aucun obstacle ne peut se dresser entre son destin et celui de la France. Il néglige alors un élément, le Parlement, qui ne partage pas son point de vue. Il avait la volonté de reconstruire la France et de la remettre sur pied. Il a vu très vite qu'on revenait de toute façon à un régime parlementaire. Et donc le jeu des partis, l'immobilisme, la continuation de la Troisième République fait que de Gaulle considère qu'il n'a pas les moyens. Il n'admettait pas un compromis. Il ne voulait pas être un demi-leader. Il tente alors un coup de bluff. Il démissionne en janvier 1946. Être au pouvoir et ne rien pouvoir faire, ça n'a aucun intérêt. Il faut prendre le large. Son idée, c'était ça. Ça crée l'effroi pour pouvoir mieux revenir après. De Gaulle pense en effet que les Français vont le supplier de revenir. Erreur stratégique. Usé par la guerre, le pays ne partage plus les ambitions de son libérateur. Les gens, leur préoccupation principale, comme pendant la guerre d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'ils allaient manger le lendemain.
Donc De Gaulle, là-dedans, bof, oui, bon. Il le trouvait hautain, autoritaire, solitaire dans ses décisions. Son personnage était un personnage qui n'imposait à la France plus que la France ne l'acceptait. Il en a été... Il a conçu un certain mépris pour les Français, d'ailleurs, il faut bien reconnaître, qui ne comprenaient pas leur intérêt. Vexé, celui qui prétend incarner la France dans son ensemble se lance alors en politique, en créant son propre mouvement, le Rassemblement pour la France, qui se veut au-dessus des autres partis politiques. De Gaulle utilise alors ce mouvement pour continuer d'exister. Il était contre tout. Il était contre le régime, il était contre les partis, il était contre l'atlantisme, il était contre la construction de l'Europe au début. Au fond, rien de bien ne pouvait se faire sans lui. Ça, ce sont ces limites de la conception de la démocratie. Après quelques victoires électorales, le RPF se perd en querelles intestines pour disparaître. De Gaulle est à deux doigts de se retirer définitivement. Nous sommes en 1955, il a alors 65 ans. C'était pas un chef de parti. Il était mauvais dans le rôle de chef de parti. Ou même de mouvement, d'ailleurs. Sauf en temps de guerre. D'ailleurs, il l'a dit, on ne gouverne bien qu'en temps de guerre. Hein. Je n'ai pas sauvé la France pour m'occuper de la ration des macaronis. C'était un quelqu'un qui était pétri par l'action. Et que... Il retrouvait une pêche absolument invraisemblable lorsque il avait pris la résolution d'agir, de réagir, de prendre le dessus. Le drame algérien et la menace d'une guerre civile vont le rendre une nouvelle fois indispensable. Selon la doctrine gaulliste, le pouvoir, c'est la rencontre entre un pays, un homme et des circonstances. Le pays et l'homme sont là. Les circonstances, ça va être la guerre d'Algérie et la faillite de la 4e République. Il a fallu qu'il y ait ce drame algérien pour que finalement il revienne. Mais il n'y aurait pas eu le drame algérien, il ne serait pas revenu au pouvoir. De Gaulle tient sa revanche. La crise algérienne lui offre l'occasion tant attendue de s'imposer une nouvelle fois à la France. Nommé chef du gouvernement en mai 1958, il se rend à Alger dès le mois de juin, investi des pleins pouvoirs. Il prononce alors devant les Français d'Algérie, inquiets de leur avenir, l'un de ses plus fameux discours. Je vous ai compris. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a que des Français à part entière. Par ces quelques mots, De Gaulle parvient à s'imposer comme l'unique recours possible. Pourtant, le général sait que le vent de l'histoire, cette fois, ne peut être arrêté. Le vent, à l'époque, est au réveil des nationalités. Et il se rend compte, non seulement qu'il ne peut pas mettre un terme à la guerre d'Algérie, mais qu'en plus, cette guerre d'Algérie empêche à la France de retrouver sa mission internationale. Et donc, il ne voit rien d'autre que l'autodétermination et l'indépendance. Il s'est très vite, en lui-même, résolu à aller vers l'indépendance de l'Algérie. Enfin, évidemment, il a dit le contraire. Il a menti. La fin de la guerre d'Algérie, c'est le triomphe d'un des plus grands mensonges d'État qu'on ait connu. De Gaulle ne reconnaîtra jamais s'être trompé sur l'Algérie. Il n'admet pas que les événements le gouvernent. En 1969, après 11 ans de pouvoir, il organise un référendum, prétexte à mesurer sa popularité. Sitôt le résultat connu, il démissionne. Le lundi matin, il m'a dit « J'ai proposé à la France une réforme que je considère essentielle pour l'avenir. Elle n'en a pas voulu, mais moi, devant l'histoire, je n'encours aucun reproche. » Il sait que c'est sa sortie, il sait que c'est la fin, il sait que c'est la rupture, il sait qu'il n'est plus le souverain naturel. Et donc, il cherche une sortie qui soit à sa taille. Amer, le vieux militaire choisit une nouvelle fois l'exil. Il se rend en Irlande, alors qu'en France se déroule l'élection de son successeur, Georges Pompidou. Ultime provocation, un an plus tard, il voyage en Espagne, où il rencontre Franco, le vieux dictateur grabataire,
celui-là même qui avait serré la main d'Hitler 30 ans plus tôt. Ce voyage a beaucoup perturbé un certain nombre de personnes parce que Franco représentait effectivement cette dictature espagnole. Et c'est vrai que cette façon d'aller dans l'Espagne de Franco, en fait, c'est de retourner vers le passé. C'est un peu gênant. C'est une fin, c'est un peu triste. Je pense que tout le monde lui pardonnera ça et on oubliera parce que maintenant, tout le monde est gaulliste. La France préférera effacer de sa mémoire cette dernière provocation pour ne conserver que l'image de celui qui l'a conduite des pénombres à la lumière durant toute une vie de combat. Le général de Gaulle, c'est un grand homme. On en a un par siècle, dans les bons siècles. De Gaulle est une icône de notre histoire. Pour moi, Charles de Gaulle, c'est le dernier roi des Francs. C'est depuis cette croix de Lorraine, symbole de la résistance et du combat d'un des plus grands chefs d'État du XXe siècle, que s'achève ce numéro de Secrets d'Histoire consacré au général de Gaulle. Royaliste de cœur, il a su réconcilier le passé et le présent de la France en instituant la Ve République. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres, dira-t-il souvent. Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.